what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est sur le départ. On va aller du coup au collège. Moi je passe ma matinée là-bas. J'ai juste le temps de boire un petit café, de manger un petit truc vite fait, juste pour pas avoir une fringale là-bas. Et puis, ben, on va y aller. J'ai préparé tout ce que j'avais besoin. Je vais prendre ma petite liste de ce qu'il me faut. En fait, je finis à 11h30, c'est ici, fini à midi. Donc du coup j'irai tout de suite chercher de quoi juste les tomates et les poivrons. Je pense qu'il y a un Aldi, je pense, juste à côté du collège. Donc voilà, la demi-heure d'attente. Et puis ben, là-bas, s'il n'y a pas beaucoup de monde, en fait je vais pour les inscriptions des 6e. Donc s'il n'y a pas beaucoup de monde, et ben je répondrai à vos commentaires en même temps. Voilà, dans l'attente, entre deux. Hein, j'avancerai pour pas prendre trop de retard le matin. Quoi qu'on arrive, enfin si cet après-midi on voudrait aller faire les courses, les fruits et légumes. Et puis je passerai aussi sûrement à Auchan. Mais ça j'irai peut-être toute seule. Je vais voir, il me faudra pas grand chose en fait hein. Comme je vous ai dit dans le retour de course, ça va être les glaces, hein, ce que j'ai pas trouvé à Lidl, et les produits pour le lait, enfin des trucs comme ça pour le petit. Voilà. Bon allez, je vais déjeuner. Qu'est-ce que je vais déjeuner? En fait j'ai pas faim. J'ai pas faim, mais si je mange pas, je vais avoir faim là-bas. Et là-bas ça va être compliqué de manger. Faut que je me prenne un truc pour manger, mais j'aime pas manger parce que là-bas il y a du monde et j'ai pas envie de manger de... Enfin vous savez, hein, je vous avais déjà dit hein, que j'aime pas manger devant les gens. Les gens que je connais pas. Surtout si eux ils ne mangent pas. C'est encore pire. Un petit yaourt. Ouais, un yaourt et un fruit, je pense. Ça me fera tenir. Oui, je suis à faire ça. Allez, et un café. Ah, puis je vais me prendre un café avec. Ça me dérange pas de boire devant tout le monde. Je vais me faire un café. Un café à emporter. Bon, allez, bah du coup, moi, je vous dis bah, tout à l'heure quand je rentrerai, parce qu'à mon avis, voilà, on se reprendra pas avant. Ma petite thermos pour le café. Allez, à tout à l'heure. Main. Ça y est, fini. J'en pouvais plus. C'était long. En fait, j'ai pas eu tant de monde que ça. J'ai peut-être eu une dizaine de parents. Mais bon, ça y est. Là, je vais aller du coup faire... Mais bon, j'ai mis mon temps à profit parce que j'ai répondu à vos commentaires. J'ai aussi avancé sur quelques mails aussi que j'avais. Et puis, j'ai fait aussi... Hein, j'ai envoyé une demande aussi en mairie pour Kim. Je lui avais dit que j'allais le faire comme j'avais du temps ce matin à tirer. Je lui ai dit, je vais m'en occuper si tu veux pour une demande de logement. Donc c'est fait. On a rendez-vous, j'ai su même avoir un rendez-vous assez vite pour l'aider à compléter son dossier demain après-midi. Donc du coup on va aller faire ça. Un petit peu à la fois, voilà, ça avance aussi pour eux, donc c'est cool. J'ai mon vernis qui a sorti au masque. Hein. Allez, je vais aller faire mes 2-3 courses du coup, et puis ensuite je vais rentrer. Kim lui a fait la salade, il n'y aura plus qu'à ajouter ce qui manque, donc les poivrons et puis les tomates. Puis cet après-midi, il va falloir qu'on aille finir les courses aussi. Allez, on va aller faire les courses. J'en ai pas pour longtemps. Il faudrait que je regarde aussi s'il y a du miel d'acacia. Je suis tombée à court et j'en ai besoin pour ma recette de ce soir. Allez, on y va. Non, je suis rentrée. J'ai mal à la tête. Je pense que c'est le fait d'avoir été enfermée avec le masque toute la matinée. Bon, j'étais faire mes courses à Aldi. C'est vraiment pas le genre de magasin que j'aime bien. Je sais pas, je trouve qu'il y a un pas... Enfin, je sais qu'il y en a certains qui ont été refaits un peu comme les Lidl et qui sont mieux. Mais celui qui est à côté du collège, j'aime vraiment. J'ai l'impression que c'est le bordel en fait. C'est le bordel et visuellement, alors je dis pas que c'est pas propre, hein, c'est propre. Mais visuellement, ça fait
comme c'est bordel, c'est le bordel, ben, j'ai l'impression que c'est pas clean, quoi, en fait. Alors que ça va, hein, mais voilà. Donc j'ai juste pris poivron, tomate et je suis rentrée. Qui m'avait fait le repas? Donc il n'y a plus qu'à rajouter les poivrons et les tomates dedans. On va vite manger parce que j'ai l'impression que je vais avoir une après-midi bien speed. Faut que j'aille faire les courses à Auchan, faut que j'aille faire les courses à Lidl. Pas Lidl, mais Grand Frais. Pour les primeurs, enfin les fruits et légumes, et encore un Auchan, je sais même pas si on va y aller aujourd'hui. Est-ce qu'il me faut pas de trucs vraiment primordial. Donc à voir. Et puis c'est la lessive. Faut juste que je regarde combien il me reste dans mon bidon. Et puis voilà. Puis il faut que je prenne de l'avance, du coup, faut que je monte le vlog et tout et que je vois pour demain. Déjà, je vais descendre, je vais aller prendre un cachet. Et puis, on va les manger. J'ai vu la prof d'anglais de Stacy ce matin. Stacy, elle fait en euro. Donc, j'ai vu sa prof d'anglais. Elle part l'année prochaine. Donc, Stacy, c'est un petit peu chamboulée. Donc, alors, elle m'a vu ce matin, sa prof. Elle me dit quoi? Elle m'a demandé comment ça allait, Stacy et tout. Et du coup, je lui dis, ah, j'ai su que vous partez. Elle est toute déçue, Stacy. Et elle me dit, ah, mais j'ai vu ma remplaçante. Elle a l'air d'être bien et tout. Donc, c'est cool. Si elle est bien. Ouais, surtout quand c'est des options comme ça. Hein. Parce que, voilà, celle qui s'en va. On dit toujours, on sait ce qu'on a, on sait jamais ce qu'on va gagner. Bon, je vais avaler ma salive de travers. Le moustiquaire tient toujours. Bon, c'est pas encore. Enfin, je pense que. Oh, vous voyez, il y a des endroits où ça commence légèrement à décoller. C'est vraiment le truc, vous le mettez, vous y touchez pas. Oh, c'est sur une porte-fenêtre, donc vous rentrez, vous sortez tout le temps. Je pense pas que ça tiendrait. Mais là, comme nous, on passe rarement, on ouvre la porte et on la referme, mais on passe fort, surtout en ce moment qui fait pas beau, quoi, en fait. Mais donc du coup, ça tient. Mais voilà, j'ai un doute que ça tiendrait sur une porte qu'on utilise très très souvent. Bon, allez, je vais descendre, le petit vient de se réveiller. Je vais lui faire un petit coucou parce que du coup, mamie, elle n'a pas vu son coco ce matin. Donc voilà, je vais descendre, je vais en aller manger. Et puis ensuite, comme je vous ai dit, je vais vite monter le vlog, le mettre en ligne. Et puis on va aller faire les courses au plus vite. Après, je bouge plus. Je relaxe. Ah là là. Et en plus, demain après-midi, je risque d'avoir une journée aussi un peu speed parce que du coup, on a rendez-vous avec Kim à 14h à la mairie. Et à 17h45, j'ai un CA, le dernier de l'année. Donc il faut que j'y aille, quoi, en fait. Donc voilà. Le pire, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde ce matin. Je me suis fait un petit peu ennuyer. Je me suis un petit peu ennuyée. Mais bon, j'ai pris de l'avance du coup. Du coup, j'ai pas pris trop de retard. Parce que quand je suis pas une matinée à la maison, déjà là. Il y a eu deux, trois petites catastrophes pendant mon absence. La bouteille de lait qui est tombée. Et puis, voilà. Donc, il va falloir que je lave la cuisine. Elle a ramassé, hein, qui me l'a fait et tout. Mais bon. Et puis là, comme je lui avais envoyé la liste des papiers et tout, elle était en train de tout préparer et tout. Donc, je vais. Allez, on va descendre. Et je vais aller prendre un cachet pour ma tête. Parce qu'autrement ça va pas aller mieux. Et puis ça risque de s'empirer et se transformer. C'est un de ces mal de crâne horribles. Bref, donc du coup, on a mangé. On a préparé tout ce qu'on avait besoin pour demain pour faire le dossier à Kim à la mairie. Là, il faut que j'aille faire mes courses. Du coup, Grand Frais au champ. Je vais essayer de vous monter la vidéo pour demain si j'y arrive. Et il faut que je finisse de monter la vidéo du vlog de demain. Est-ce que j'ai accès à mon PC maintenant? Ou pas? Allô? On a un problème avec le spa en fait, donc Greg était en train de regarder. Il y a un code d'erreur qui se met et à ce qu'il a pu regarder, c'est un code. Je sais pas, il parle de fusible ou je sais pas quoi, et du coup, voilà, il était parti voir sur mon PC. Tu sais qu'elle donne mal à la tête ton horloge là? En plus, elle parle même pas français! Faut lui apprendre le français! Faut lui apprendre le français à ton horloge! Et ça le fait marrer. Bon, allez, je vais aller essayer de monter un petit peu la vidéo du vlog. Au moins ça. Et ensuite, ben, je vais aller jusque Grand Frais. Finir les courses. Au champ aussi. Ça va être une journée course, speed. Je pense que c'est ça aussi que j'ai mal à la tête.
J'ai laissé Greg à la maison, il est en train de se battre avec le spa. On ne sait pas ce qu'il a, mais voilà. Bon, il va trouver un. Mais je pense qu'on avait eu le même souci l'année dernière, il y a eu un code d'erreur comme ça. Je pense que c'est quand il se met en surchauffe. Bon, il fait pas chaud, hein, mais je pense que c'est parce qu'il chauffe, il chauffe. Et l'eau, en ce moment, on va pas trop dedans. Et je pense que l'eau est à température et du coup, il chauffe dans le vide. Donc, je pense qu'il s'est mis en sécurité à cause de ça. Donc là, il doit démonter un truc et tout. Donc, il est en train de regarder ça. Et là, moi, je suis partie faire les courses à grands frais. Je vais me dépêcher. Parce qu'il est déjà 3h30, j'ai une journée encore une fois. On va se. Voilà. Et puis après, je sais pas si j'irai à Auchan tout de suite. Enfin, je verrai. En fonction de mon mal de tête. Parce que je sais pas si ça se voit, mais j'ai très très mal à la tête. J'ai pris un cachet, mais ça a du mal à passer. Allez, on y va. On va aller. Bon, ça devrait aller vite, grand frais. Un jeton. Voilà, grand frais fait. Ça va, j'ai été vite en fait. Une demi-heure, trois quarts d'heure, on va dire. Et c'est fini. Moi, je vais rentrer, je vais vous filmer le retour de course. Et puis, je vais voir si je vais tout de suite à Auchan ou si. J'ai pas le courage. J'ai pas de courage. En fait, j'ai mal à la tête. J'ai qu'une envie, c'est de me coucher, on va dire. Mais non, c'est pas possible. Oui, donc je vais voir. En fait, tout ce qu'il faut, c'est. Deux, trois petits trucs. Hein. C'est parce qu'hier soir, ils ont voulu me prendre une glace et ils m'ont dit « Maman, il n'y a plus de glace !» J'ai dit « Oui, je sais, il faut que j'en achète. » Vous n'avez pas tout mangé après tout, non mais... Donc, c'est surtout pour ça, en fait, que j'irai. Mais... On va voir. Déjà, ranger ce que j'ai acheté et puis après, on verra. Hein, une chose à la fois. Allez, en ce moment, c'est mon créneau. Hein. Une chose à la fois. Une chose à la fois, Sandra. Parce que j'ai l'impression d'avoir plein de trucs à faire. Mais voilà, je peux faire qu'une chose à la fois. Donc, voilà. Allez. J'ai de la chance, il pleut plus. C'est déjà un bon point. Par contre, même ça. Hein. Franchement, j'ai vraiment l'impression d'être en automne. Ce matin, au collège, le monsieur de l'intendance me disait qu'il avait rallumé les chauffages. Parce qu'il faisait froid. Dans la pièce, dans la grande pièce là où on était, là il faisait vrai froid. Donc du coup, faut pas demander. Hein. Donc, je lui ai dit voilà, c'est pas l'été fini, on est en automne. Allez. Alors, j'ai pas envie d'aller à Auchan aujourd'hui, donc on ira demain. Comme je vous dis, il me fallait vraiment pas grand chose. J'ai acheté des fraises à grands frais. Ils étaient en promo, ils étaient à 1 €. Mais voilà, il y en a certaines qui sont pas trop trop belles. Donc, enfin une. Que je vois. Après le reste, ça a l'air d'aller. Hein. J'avais regardé. Mais bon, j'ai peur que si je les garde trop longtemps, elles sont plus. Voilà. Surtout que les fraises, ça se conserve pas longtemps. Là, ce que je vais faire, c'est que du coup, pour les utiliser, j'avais très envie de faire une tarte aux fraises sans cuisson. C'est une recette que j'ai vue sur le Cookomics. Je vais pas la faire au ninja. Je vais la faire au traditionnellement, en fait, au. Enfin, c'est pas avec le ninja, c'est avec le MCC. J'ai mal à la tête. Donc, du coup, je vais raconter n'importe quoi. J'étais à combien? 70. Voilà. Je prépare les ingrédients. Je vous montre comment je fais. Mais vous allez voir, il ne faut pas grand-chose comme ingrédient. En fait, dans la recette, c'est des fraises, du mascarpone. Alors, il y a du beurre, des spéculoos, du sucre en poudre, du sucre vanillé, zeste de citron, du mascarpone. Ah, il faut du fromage blanc. Mais j'en ai pas, mais c'est pas grave, je vais remplacer par les fraises, du skyr et des fraises. Voilà. Alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais faire fondre 70 g de beurre au milieu. Alors, j'ai pris 160 g de spéculoos que j'ai réduit en miettes. Et je vais y ajouter, du coup, le beurre fondu. Et je vais bien mélanger tout ça. Ça va faire notre base de biscuits. Alors comme je vous ai dit, c'est pas une de mes recettes. C'est une recette qui est sur le Cookomics. Donc je vous prépare pas la fiche recette. Allez voir sur Cookomics. Hop, mais bon. Alors ce Cookomics, c'est une recette qui est faite au MCC. Hein. Moi j'ai un souci avec mon MCC. J'ai mon joint qui est cassé en dessous grec. Hein. On a commandé un. On devrait recevoir un d'ici quelques jours. C'est pour ça que je la fais pas au MCC. Je l'ai posé dans un plat, il fallait un disque de 20 cm, donc j'ai réglé mon cercle pour que ça fasse 20 cm. On va y mettre du coup nos miettes de biscuits dans le fond avec, qui sont mélangées avec le beurre. Et on va bien tasser. Alors moi quand c'est comme ça, j'utilise un mortier pour bien tasser partout. Et du coup comme je vous ai dit, ça fait notre pâte biscuitée. C'est bien.
bien tassé, ça va au frigo et on va faire la petite crème. Alors, il faut mélanger 50 g de sucre, un sachet de sucre vanillé et le zeste d'un citron bio. Alors moi j'ai du citron vert, je mets du citron vert. Ensuite on ajoute du coup le mascarpone, donc c'est un truc de 250 g et il faut 100 g de fromage blanc. Moi comme j'ai pas de fromage blanc, je vais ajouter du petit suisse ou du skyr, peu importe. Donc 100 g de fromage blanc ou de skyr ou de petit suisse. Et ensuite ben, on vient bien fouetter tout ça ensemble pour faire une belle crème. Une fois qu'on a une crème, alors on peut l'étaler directement sur la croûte de la tarte, ou soit ben, vous pouvez faire comme moi et vous amuser et le faire avec la poche à douille. Donc là je suis en train de le mettre dans une poche. Mais ça va vite, c'est très simple en fait, il n'y a pas de cuisson, donc c'est juste de l'assemblage. Et j'ai goûté la crème, elle est bonne, elle a un petit goût de citron vert, c'est bon. Je pense que ça ira bien avec les fraises. Bon, du coup, je vais sortir ma tarte et je vais pocher ma crème dessus. J'ai enlevé le disque et puis je vais venir pocher la crème sur le dessus. Donc, une fois que la crème elle est mise, il n'y a plus qu'à venir poser les petites fraises sur le dessus. Voilà, c'est fait, il n'y a plus qu'à venir décorer. Donc moi je vais juste mettre des petits brins de verveine. Voilà. Et voilà. Elle va aller au frigo. Ouais, donc là, du coup, je vais la mettre au frigo jusqu'à ce soir. Elle était facile à faire. Je vais retenir. Si elle est bonne, je retiens la recette. J'ai mon gâteau qui est fait. Et là, je suis en train de préparer une recette de poulet au barbecue avec une sauce barbecue avec du piment un peu sucré salé, pimenté. Trop trop bonne. Donc du coup, et je suis en train de mettre aussi la vidéo retour de course pour vous demain. Donc un petit peu à la fois, je rattrape mon retard. Je vais éplucher des pommes de terre aussi pour faire je vais faire des pommes de terre sautées avec betterave et concombre. Voilà. Ah, ça commence à sentir le barbecue. J'ai allumé le barbecue pour mettre en préchauffage. Alors il n'y a que 6h moins 10, mais comme je veux filmer la recette, je vais faire préchauffer le poulet. Et s'il faut, je le remettrai un tout petit peu tout à l'heure avant de passer à table. Comme ça, ça sera fait. Bon, allez, continuez ça. Finir mon café. Éplucher les concombres, couper les betteraves. Éplucher les patates. Et puis le repas, il sera fait. Je pense que je vais faire les pommes de terre, je vais les faire au ninja. Ça y est, je vous ai filmé la recette. Là, il est en train de cuire. Ça sent bon. Bon, il y a un peu tôt, hein. Je suis en train de donner envie à tous les voisins de faire un barbecue. Bon, il est 6h10. Hein. Là après je vais arrêter la cuisson et je la finirai après. Là je suis en train de couper mon concombre. Oui, je vous ai pas dit aussi, demain c'est le grand jour pour Angèle. C'est peut-être ça que j'ai mal à la tête, peut-être que je stresse pour lui. Alors j'essaie de pas lui montrer, hein. De toute façon il est pas là donc il voit pas. Mais ouais, en fait j'ai je me demande comment ça va se passer quoi, en fait. Comme avec le blanc, alors il prend les anti-stress là, hein. J'espère que ça va être assez, assez efficace. Et le pire c'est que comme là, il y va cool quoi en fait, hein. C'est quand il va arriver devant l'examinateur en fait. Ah, hein. Alors il passe demain matin, il doit être là, alors c'est à 8h, entre 8h et 11h je pense. Il doit être à 8h là-bas, il doit être une demi-heure avant, donc il doit être à 7h30. Donc ce qui est cool, c'est qu'avec le Covid, ben, y a pas de, il passe dans l'établissement où il est, donc ça c'est bien. Donc ça fait un stress en moins,
pour lui. On verra. On espère que... On va croiser les doigts. Je vais aller le déposer. Après, j'irai déposer Stacy. Stacy, demain, je pense que ça va être son dernier jour. En fait, vendredi, son collège est fermé parce que... ils mettent en place pour le brevet des collèges. Lundi, mardi, mercredi, c'est le brevet des collèges. Et ensuite, jeudi, vendredi, ben, ils peuvent retourner en cours. Mais bon, elle ne va pas y aller pour 2 jours, quoi, en fait. Hein, donc, ça sera sûrement son dernier jour demain. Allez. Et du coup, ben, après, Angel aura fini aussi. Et cette année sera finie. Dans un sens, tout à l'heure j'en parlais justement à la réunion. J'espère vraiment que l'année prochaine on aura une rentrée normale. Bon allez, concombre fait. Je vous l'ai cassé tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était un peu cassé. En fait, je me suis aperçue qu'il fuyait en dessous. Dès que je faisais cuire à la vapeur ou quoi, quand c'est des pâtes, comme là mettons je vais mixer du biscuit, ça va aller tout seul, une pâte ou quoi, ça va tout seul, mais dès que je faisais cuire à la vapeur ou quoi, il fuyait. Donc j'ai demandé à Greg de regarder, et en fait il y a un joint en dessous, il m'a dit que c'est un joint, ça fait un peu dentelé, on a un petit peu galéré un peu à trouver, qui était un petit peu oxydé et tout. Donc je pense que c'est parce que je mets mon bol au lave-vaisselle. Donc si vous achetez le MCC, ne mettez pas votre bol au lave-vaisselle. Donc là il y en a trouvé. On espère que c'est le bon et qu'il va pouvoir le changer, parce que autrement je pense que je vais devoir changer de bol et racheter un bol. Ça m'embête, mais bon, parce qu'en plus le bol, à ce que j'ai pu voir, il fait plus de 100 euros, donc voilà. Mais bon, après ça nous a prouvé que même si on n'a pas le MCC, on peut faire les recettes du Coucomics, puisque là c'était une recette que j'avais trouvée sur le Coucomics que j'ai adaptée avec ce que j'avais. Voilà. Bon allez, du coup, concombre fait, betterave faite. Je vais éplucher mes pommes de terre. J'ai horreur. Vous le savez, hein, j'ai horreur d'éplucher les patates. Mais le pire, c'est que là, comme on est beaucoup, il faut éplucher 2 fois plus de patates. Et on va dire que Quentin, c'est comme Greg, c'est un mangeur de patates. Donc voilà, allez, on va éplucher les patates. Hop, repas de ce soir, du coup, je vous ai filmé la recette. Donc le poulet avec une sauce barbecue, avec des pommes de terre sautées et des crudités. Je suis fatiguée. Hein ? Soirée finie, match de foot ce soir. Alors Greg me dit, je vais regarder le match de foot. Bah à mon avis... ça m'étonnerait. Il est déjà à moitié endormi dans le fauteuil. Qu'est-ce qu'il y a ? Chut ! Elle est là ! Ben, moi je vais aller prendre ma douche en tout cas. Je vais mettre mon pyjama et moi je vais aller dormir. Le foot, hein ? La tarte, elle était très très bonne. Franchement, recette à retenir. Ça va vite, c'est rapide, c'est pratique. Et c'est bon. Donc voilà, que demande le peuple ? Pratique quand on reçoit du monde un petit peu à l'improviste, c'était vite fait. Le seul truc, c'est un petit peu dur à démouler parce que il faudrait le mettre, je pense, sur du papier sulfurisé. Parce qu'en fait, ça, vous voyez, le fond colle un petit peu à l'assiette avec le beurre qui prend et tout. Mais ça a été quoi, en fait. C'était bon. Avec le citron vert, ça allait très bien. Ça donnait vraiment un bon petit goût à la crème. Allez, moi, sur ce, je vais vous laisser. Petite douche et gros dodo. Et le poulet aussi, il était très très bon, il piquait pas. Alors parce que c'est un poulet sauce barbecue avec des piments jalapenos, des chipotes, ça sabobo. J'en avais mis un, j'avais peur que ça pique de trop, et en fin de compte avec le miel et tout dedans, ben c'était vachement doux, ça piquait pas du tout, c'était vraiment très très bon. Pareil, et en plus c'est rapide aussi à faire, la petite sauce comme ça. Donc je vous ai filmé la recette, hein, vous l'aurez courant de la semaine prochaine, enfin de la semaine pour vous, voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. On va croiser les doigts pour demain, hein. Là, il est parti coucher. Il est presque 21h. Il est moins le 20. Allez, bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you.
promises that you do.